Amis viewers, bonjour et bienvenue pour une nouvelle Dungeon 2 avec avec le mal ultime. Donc on vient de faire les deux missions du chaos. Il y en aura peut-être une troisième plus tard, mais pour l'instant c'est fini. Donc on va se diriger vers les morts vivants. Pendant ce temps de chargement, je t'invite, parce que là, tu vois, là tout de suite, tous les deux, on n'a rien à faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un café, et puis toi, je t'invite à aller liker la vidéo, puis à t'abonner. Hein, puis on se revoit après le temps de chargement. Non, moi, j'ai pas eu le temps de faire le café, j'espère que toi, t'as eu le temps de t'abonner. Alors, montre-moi un peu. Ouais. Celui-ci essaya de ramener les morts vivants sous son contrôle. D'accord. Pour cela, le mal se rendit dans une région anciennement connue sous le nom des Maltaires. Ah, les Maltaires. Un gigantesque cimetière venait embellir le paysage et servait de terrain de jeu à tous les morts vivants, en partant du principe que les morts vivants jouaient entre eux, bien entendu. Bien entendu. Quel petit rigolo. Aujourd'hui, 20 années plus tard, l'Alliance a transformé cet endroit en Bourgeterre. Un lieu de bonté et extrêmement bien protégé en raison de son sombre passé. Le mal ultime devrait par conséquent se débarrasser de ses gardes avant de raser cet endroit et de prendre le contrôle des morts vivants. Ok, c'est parti. C'est quoi la grande offensive? Rien. La grande offensive sera lancée dans 29 minutes. Ça veut dire quoi? Je vais me faire attaquer moi dans 29 minutes ou c'est eux qui attaquent? Non, c'est pas ça que je voulais. Alors attends. Oh là là, il y a trois entrées différentes. Ouais. D'accord. Ils vont nous emmener ici. Ok. Oh ouais, alors là, franchement, j'arrive pas à dire si. Eh ben, je sais pas si je dois sauvegarder la base pour sauvegarder. Tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si j'attends là en attendant que la mission. J'en sais rien. Bon, écoute. On va se faire chier. On va progresser de tout. Je m'emmerde pas, je fais mes salles. Hop. Ça s'appelle. Ça va être la salle de mana la plus grande du monde, c'est pas possible. On dirait une discothèque. Ok. Alors. Il va donc nous falloir au moins 4 morveux. Je tourne à 4 morveux. 4 morveux, je trouve que c'est bien. 4 morveux, après on se prend deux orques. Hein. Tardant tech jolt, boum, allez. Le mec il a rien demandé, il vient d'arriver dans le donjon, tarde dans la gueule, allez. Motive les autres, bête. Je vais te motiver le cul tout seul ici déjà. Là, je creuse comme un goré pour avoir les l'or, hein, évidemment. Ah bah tiens, il y a un gisement. Ça, ici, il faut qu'on agrandisse un peu la zone. Ok. Et ok. Oh, il en faut au moins deux, hein. Ouais, minimum. C'est le minimum. C'est à moi ça alors. Non mais c'est ça, hein, c'est la grande offensive. La grande offensive. Quoi, oh, tic-tac. Ah, c'est le coffre. Ils vont. De rat a été découverte. Ils vont venir m'attaquer dans 29 minutes. C'est quoi ça?
Vitesse de travail plus 100%. Voilà, c'est bien. Merde, excuse. Alors, au niveau des... Qu'est-ce qu'on fait là? Je veux rechercher des salles, j'aime bien rechercher des salles. D'accord. Ok, ça c'est parti, ça c'est parti. La thune, une petite salle au trésor, comme as, magnifique. Allez, on se bouge le cul, c'est bon. Ensuite, il nous faut une forge. Okay. Et donc du coup, si on a une forge, il nous faut obligatoirement un... un troll. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, un troll, bien sûr. J'étais carrément parti sur un démon de feu. La présence du mal ultime s'était répandue parmi les partisans... T'es moi le mal ultime. Une traînée de poudre. Oui. Bientôt, le mal devrait faire face à leur refus inconditionnel de tolérer sa présence. D'accord. Là, il m'attaque, là, c'est ça? C'est ça l'idée? Bah ben quoi? Oh, ok, d'accord. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Récupère sa paye. Non, mais le mec, il, je viens tout juste de l'invoquer, il récupère sa paye. D'accord, bon, ce qu'on va faire, je vais agrandir un petit peu, de toute façon, cette salle-là, la salle des bricoleurs, elle est toujours très grande, non mais, je sais pas si vous avez vu l'épisode d'avant, avec mes araignées, là, dans le mode chaos, mais c'est vrai que mon atelier, il est immense. On va faire une bonne dose de pile. Donc ça va les ralentir et les concentrer avant l'impact. Là, je fais juste ça pour le pognon, les pépettes et la thune, hein. Enfin, un ensemble de tout cela, voyez-vous. Ok. On augmente la taille de la salle. Même si, bien évidemment, c'est pas la taille qui compte. Mais quand même un petit peu, quand il est question de salle de piège à la con. Ça, il va nous falloir un gobelin supplémentaire. Voilà. Je veux bien des orques. Hein. Toi, tu fais quoi comme dis-moi un peu. Ouais, il est en train de faire ça. Ouais, je préférerais faire ça effectivement. Attaque sournoise, énergie améliorée, gobelin perfide. Pas du tout. Amélioration des morveux. Grand non plus. Cicatrisant, je m'en fous. Ange du chaos, s'en fout. D'accord. Ouais, c'est pas ça que je voulais, c'était plus du vitesse de travail, des conneries comme ça, quoi. Eh ben, tu sais quoi, on va laisser bosser sur les améliorations générales. On viendra ici tout à l'heure. Alors, nous sommes à 20k. 20k, 20k. Caisse somatique améliorée, s'il te plaît, merci. Donc ça c'est parti, je fais une recherche pour avoir des équipements de recherche plus... Déjà recherche.
Ici, t'en es où? 75 de mana, c'est pas terrible. Oh non, c'est pas terrible. C'est pas de te la péter ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Alors ici, on a quoi? On a tout ça, d'accord. Donc là, je voudrais bien ça, ici, au moins. Hein. C'est vraiment le minimum qu'on puisse... voilà. T'as ces trois boîtes à outils pour un... Je vais pas trop en faire, parce que dans quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, quelques jours, on va avoir les fausses api. Donc du coup, point trop dans faux, voyez-vous. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piège sur la route? Que dalle. Piège ici. Ok. Attends qu'ils se prennent le piège quand même. Ça, on va regarder un petit peu le mode de fonctionnement. Non, je cherche pas, dans 20 minutes, c'est eux qui m'attaquent. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça, vaut mieux que je monte ma... Ici, là. C'est bon? Alors, hop, hop. Voilà. Non, tout de suite, je pense qu'effectivement, ça doit bosser un peu plus vite, quand même. Hop, voilà, je cherche les fosses à pic. Et les autres sont en train de manger. Jour de paix. Toute façon, j'ai l'impression que le jour de paix chez eux, c'est tous les jours. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Je vais essayer de faire la plupart du taf avec les orques. Hein. Histoire qui XP bien. Comme des cochons. Boîte à outils insuffisante, vous faites quoi, les gobes? Parce que je vous ai quand même fait une. Voilà. Hein? Il peut bosser normalement. J'ai cherché les pointes acérées. Alors, de vilaines pointes acérées qui non seulement ralentissent les héros, mais qui leur infligent aussi de désagréables dégâts. Alors, ça déconne pas. Par contre, voilà, il faut des caisses, quoi. Il faut beaucoup de caisses. Faut que vous bougiez votre cul. Vas-y, dégage, je suis l'autre. Alors, caisse somatique améliorée ici. Et encore un. Alors là. Voilà. Donc, par contre, on va pouvoir stocker combien de caisses, là? 22, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je peux pas faire ça. Allons, ne se fait pas. Moi, je veux bien faire une salle plus grande ici, mais... Sur la salle de stockage avec de l'or au milieu, c'est un peu bizarre, non? Est-ce que ça fonctionne déjà? Bon, écoute, pour stocker 58, c'est bien. Donc là, j'ai recherché quoi? Ah oui, les fosses à pointe. On va y arriver. Hein. Alors, ça, tu peux le revendre, par exemple. Voilà, qui a la place. Tac, tac, tac.
Ah mais là je vais en faire aller tout le long quoi, tout le long du couloir. Blablabla. Le problème c'est ces putains de gobelins qui, tu vois, juste tu mets un gobelin, pff, voilà, tes pièges ils servent plus à rien. C'est un petit peu la loose quand même. Ok, vas-y, tu peux me faire des portes? Voilà, c'est super. Une fois que ce sera fait, on aura une efficacité de porte de 400 000% à peu près. Boto aussi, oh, insuffisant. Putain, il n'y a pas de thunes, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. Quoi. C'est vraiment la dèche ce jeu. Hein. Décidément. Au niveau des barils de bière, on est bien. Niveau mana, on est bien. Donc du coup, je vais pouvoir faire... Mais non, je vais pas pouvoir le faire. 200 de mana. Ah oui, c'est ça la recherche qu'il faut qu'on fait. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Qu'il faut qu'on fait, tout à fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Putain, c'est où, bordel? Ah, c'est celui-là. Ouais. La voûte. Bois de la bière, mais tu dois pas boire de la bière, toi, tu dois miner du mana, tu vois bien qu'on est en chien niveau mana quand même. Merde. Malak, t'as les patates qui prend là. Allez hop, ta mère. Ça marche. Ici, faut qu'on fait des pièges, alors. Bon, je sais pas encore comment ça marche. Ah bah je l'ai pas fait. Mais en fait, il y a un truc là où les boulets, ça envoie des boulets de pierre là dans les couloirs. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. 15 minutes la grande offensive, d'accord. Donc là on va pouvoir, ça c'est cool. Bon, déjà agrandis-moi cette zone là parce que c'est un peu la loose. Voilà. Et vas-y ta mère. Voilà. Ça on va pouvoir travailler avec plusieurs nagas. Bon, pour l'instant j'en ai qu'un, mais t'inquiète. Il faut voir de l'avant, il faut, hein, faut extrapoler, il faut un peu d'imagination, tout ça. Alors, donc du coup, ouais, c'est, tu vois, c'est pareil. Elle pue un peu du cul ta salle là. Et regarde ça. Et les mecs, c'est des magiciens, ils travaillent au milieu de la merde là. C'est pas normal. Voilà. Une fois que tout ça se sera fait, ça aura déjà un petit peu plus de gueule. Un petit peu. Ah, je vais avoir mes 200 de mana, par contre j'ai plus 1000 pièces d'or. Non, pas jour de paye. Oh, t'es chiant. Ça va être un gruyère cette putain de map à la fin. Comme toutes les maps à la fin, tu me diras. C'est rare que je rende les cartes en bon état quand même. Elle a pas été réactivée cette... Non ? Pas l'impression. Allez, allez, allez. C'est parti.
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il forge? T'en es où ta forge? Fais-moi un peu. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment bossé. Hein. À mon avis, depuis tout à l'heure, il l'andouille, le mec. Il fait semblant de bosser, mais il a rien branlé. Non! Oh, quel con, mais quel con. Regarde les pauvres bêtes. Une espèce de furby, là. Et je peux pas leur mettre des tartes dans la gueule, c'est dommage. Ça les fait pas bouger, c'est pas frappable. Nous avons des unités infrappables dans notre donjon. C'est même pas normal. Arrête de claquer de la thune pour rien, t'as besoin de sous pour faire tes recherches. Alors, mes orcounets. Je vais faire l'invocation de chien de guerre. Hein. Tiens, toi, viens ici. Ah, le coquin. Je peux pas devenir chef orc parce que j'ai pas... D'accord. C'est quoi, ça? Il faudrait peut-être que j'essaie de sortir aussi, ça va. Dans votre donjon. On va y aller. Non, mais il est en train de crever, lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils étaient genre charmés par le truc, c'est ça? D'accord. Alors, il faut qu'on aille chercher le... Vite! Le défibrillo machin, là. Ah, parce que ça, c'était pas fait, donc heureusement qu'il est pas mort, l'autre tétard. Peu de forge torride, ça fait quoi, ça? Ouais, bah oui, on a suffisant, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, hein, c'est toujours le même bordel, là, de toute façon. Ah ouais, y a pas de sous, y a pas de sous, qu'est-ce que qu'on y fait, nous? Des ennemis se sont introduits dans le donjon. On peut pas y faire grand-chose. Hein. Wow. C'est pas des ennemis, il est tout seul, le monsieur. Paladin, ouais. Ah ouais, non, mais... le mec, il vient tout seul, je sais pas. Invocation de Molos de guerre. Oui. Ouais, ouais, le mec il arrive, il fait le kéké, en fait, voilà. Ah, il fait son invocation de molosse de guerre, automatiquement, j'ai pas besoin de me faire chier avec. Ah, mais c'est quoi ce bouclier magique, là? Ouais, ouais. C'est peut-être un peu abusé ton truc, là, non? Moi je dis ça, je dis rien, quand même. Vache. C'est jour de paix. Je suis seul à avoir envie de dire prout quand il dit ce jour de paix. Je sais pas. Moi, je pose une question, je pose un débat, je pose... voilà. Une interrogation. Bon.
Donc là, tu voudrais aller attaquer ce... Ouais, écoute, why not? On va les laisser récupérer leur paix déjà. Ouais, s'il faut 2 ans et demi pour récupérer ta paix... C'est quoi ça? Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ah, merde. Bon, on n'ira pas faire les cons dehors, écoute. Bon, là qu'il n'y a pas de bouclier, normalement ça devrait aller un peu mieux. T'en es où de tes pièges ici? Ok, il a bien travaillé. Et je leur tape à un dégât, c'est quoi ce délire, sans déconner. Là je commence à taper un tout petit peu plus fort parce qu'il y a eu le cri de guerre de mon chef. Bon, ça reste modeste hein, quand même. Même le chef il tape pas fort. Hein. C'est quoi ce bordel. À temps, ou plutôt mieux vaut tard que jamais, des troupes de la Horde apparurent au sud. Elles venaient visiblement uniquement dans le but d'étancher leur soif dans leur pub favori, le Winchester, qui était tenu par deux frères. Enfin, quoi qu'il en soit, ces troupes vinrent prêter main forte et le mal ultime sut profiter de cette aubaine. Ah oui, Newton. Du coup, je peux faire quoi avec eux? Ton avis, je peux péter un camp ou pas du tout? Un petit campement militaire de l'Alliance était niché au sud, chargé de surveiller la frontière des Bourges-Terres. Une attaque venant de l'intérieur des terres ne manquerait pas de les prendre dépourvus. Allez, allez! Pas mal. Coxia. 12. Eux ils m'attaquent, d'accord, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va se régler. T'inquiète, va. Allez, hop, faites-moi ça. Rares étaient ceux à pouvoir résister à la Super. Horde du mal ultime. Le mal ultime! L'Alliance au sud n'en faisait visiblement pas partie. Ils disparurent de la surface de la Terre encore plus rapidement. Peut pas y aller là-bas. Le cerveau au milieu d'un tas de zombies. J'en fais quoi de mes bonhommes donc du coup? Augmenter les points de population maximum 4. Ah oui, bien, bien, bien. Bon, amis viewers, attends, pause. Ah, attends. Ouais. De l'Alliance, ouais. Le mal, amateur devant l'éternel de stratégies offensives, n'hésita pas une seconde. C'est ainsi qu'il envoya de la chair à canon, des créatures à la surface. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Bon, donc je te disais, ami viewer, je vais te laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si il t'a plu, pouce, abonnement, puis à demain. Pour la suite, pour la suite.